besoin d'aller aussi loin, hein, c'est pareil. On n'a pas, ouais, mais parce que là on tourne, on est en face du relief. Et du bruit au-dessus des maisons. Règle-le ton avion aussi, c'est dur, mais un peu trop en sapin. Parce que là, on redescend, c'est que de faire le yo-yo. Alors ça se coule un peu, on réduit un tout petit peu le régime, mais c'est pas des grosses variations, parce que là, on passe de 2004 à 1900, et là, à 2002, et puis c'est grave. Là, on est redescendu. J'avais des problèmes avec la stabilité longitudinale, c'est totalement le cas. Ouais. Chaque fois que l'avion il se fait monter ou descendre, soit je là c'est parce que c'est un peu. C'est un peu. Ça se mouille un peu aujourd'hui. 50, 100 pieds, tu t'autorises encore, mais après, 200 pieds, on peut pas. Donc là, c'est vraiment du contrôle. Au début, les 50 pieds, là, les premiers, tu les gères juste avec des variations d'assiette, pas forcément de la puissance. Là, tu vois, là, si on s'enfonce, c'est hop, tu remets la nouvelle. C'est ce que je faisais, mais ouais. Pas assez fort alors. Ah, il faut le faire de façon plus souple, parce qu'il faut pas faire des gros, des grosses secousses si tu as des passagers après. Donc là, tu remets un peu le nez en haut, tu remets un peu de gaz. Voilà. On va voir qu'on a gaz, parce que là, on met 200 pieds en dessous. Ouais, et puis là, on a complètement dévié, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous regardez. Mais c'est pas que toi, hein. Vous regardez toute la carrière, etc. Vous ne regardez plus la piste. Donc, impossible de jauger sa position par rapport à la piste. Et c'est que la carrière. La carrière, ça, si tu as du vent, tu vas y tourner autour comme ça. Et tu verras pas que tu es en train de t'éloigner de la piste, que tu es en train de te rapprocher ou de t'éloigner. Viens jeter systématiquement un coup d'œil de temps en temps sur la piste, voir où on en est. Voilà, tu as récupéré ton altitude, tu reprends ton palier. Voilà, et là tu réduis, et tu reprends ton écart habituel. Donc là tu réduis 2300 tours. Voilà. Normalement tu peux mettre les volets là, 2300 tours. La piste est ouverte, donc là tu es juste en haut. Voilà. Et là ça va t'aider à tenir ton palier. Je regardais pas la carrière, je regardais tous les instruments en fait. Ouais, bah ouais, donc tu vois, t'es toujours derrière parce qu'il y a celui-là il a du retard, celui-là il a pas de retard, mais suivre les aiguilles c'est pas le meilleur truc. Le mieux c'est le repère par brise, hein, c'est la base. Ouais. Normalement avec un régime, si le régime bouge pas, là, ton avion il bouge pas, s'il est bien réglé. Même quand c'est turbulent, ce qui va se passer c'est que tu vas être un peu ballotté. Tu vas être ballotté plus haut et tu vas te stabiliser plus haut. Donc ça c'est juste du pilotage pur.
famille. Ouais. Là, on est là, on roule. Hein. Ouais, ouais. Allez, axe, plan vitesse. Donc c'est kilo-kilo en finale, piste 05 pour un retour au sol. Fox Kilo Kilo vent du nord pour signe, rappel aligné près piste 05. Là je relise le peigne. Le kilo en intérieur, on rappelle aligné près piste 05. Voilà, là on a la bonne vitesse. Ouais, on a un plan qui est correct. Parce que le plan papy, c'est pas le plan 5% 3 degrés. Hein. C'est un plan pour les IFR, pour. Allez, on a plus l'axe là, on est complètement à droite. Voilà. Là on a la bonne vitesse. On coupe tout, on a la piste là. Ah, si tu laisses les gaz, tu vas continuer à planer. Elle est arrondie bien. Tu laisses la roulette de nerf tomber trop vite. Quand tu fais ton arrondi, tu descends. Tu le tires à toi, tu le remets en ligne de vol. T'as de nouveau ton écart de 3 doigts à peu près. Et quand l'avion s'enfonce un petit peu, là tu viens tirer et tu bloques. Et du coup ton avion il s'arrondit, il s'enfonce tranquillement comme ça. Il casse bien sa vitesse. T'as bien touché franc avec les deux accélérateurs principaux. Et ta roulette de nez elle reste un petit peu en l'air, comme ça tu fais pas de chimie. Faut bien segmenter les trois phases. Descente, palier, arrondi. Ça se couvre. Hein. Delta Echo, Bravo, hello. Delta Echo, Bravo, level information, good day again, receive you 2x5. Delta Echo, Bravo, taxi to runway 05. Copy, Delta Echo, Bravo, for information, QNH 1016, on the traffic is lined up runway 05, report ready for backpack. Delta Echo, Bravo, QNH 1016. And traffic inside. Alors, au niveau des indicateurs, tout est bon. Les caps aussi. Les jauges sont toutes dans le vert. Yes. Fox, kilo-kilo, je décolle piste 05. Fox, kilo-kilo, 0,50 degrés 5, me rappelle vent arrière 0,5. Je rappelle vent arrière, piste 05, Fox Kilo Kilo. Tu veux faire un bas sauteur ou tu veux faire un normal? On peut aller sur un bas sauteur. Kilo Kilo, ce sera un tour de piste bas sauteur. Je rappelle dernier. T'as le garage là. On aura plus de puissance comme ça. Bah bravo. Bravo.
Echo Bravo. Backtrack Renault 05, on n'est pas très dit, je Renault 05. À partir beaucoup plus rapidement. Ouais, 1800 pieds, tu stabilises et tu tournes. D'accord. Et si possible avant Saône, comme ça, il y aurait moins de bruit. Et faites attention au bruit. Ah ouais, parce qu'ils sont chiants les gens aussi. Ouais, c'est la première fois qu'on dit autant de fois faire attention au bruit. Ouais. Bah, c'est le bruit qui fait souvent que les aérodromes ils ferment. Hein. Les gens ils viennent construire autour d'un aérodrome, puis après ils disent ça fait du bruit, il n'y a pas d'avion. Et vu que les gens en politique, eh ben, ça les intéresse d'avoir des voies, ben, ils vont fermer l'aérodrome. Allez, on peut y aller là. Le virage continue par la droite. Et bon, j'imagine aussi, même moi qui aime les avions, t'habites là en dessous, t'as les gens qui... Enfin, ça te saoule quoi, le dimanche. Allez, zoom. On va tourner au-dessus de la... Voilà. Aucune raison, là, c'est un bon faire. At your discretion in la Delta Combo.